Les yeux commencent à s'ouvrir à la vie et le plumage apparaît. Au lieu de se trémousser pour demander leur pâture, ils se tournent vers leur mère et la nourriture arrive toujours. Lorsqu'ils quitteront le nid, ils auront mangé quelque 10 000 chenilles. En ouvrant le nichoir, stupeur, deux petites mésanges sont mortes. Les 5 autres sont bien plus emplumées. C'est à ce moment-là que la mésange bleue qui reste investit sans doute un maximum d'efforts dans la reproduction. Dès qu'un adulte apparaît au nid avec une proie, les jeunes les plus affamés dressent verticalement leur cou et ouvrent leur bec pour que le parent y dépose l'aliment, le plus souvent une chenille. Mais si mon histoire avait commencé comme un conte de fées, il ne reste malheureusement plus que 4 jeunes mésanges bleus. Un des deux parents est mort depuis plusieurs jours, et le survivant ne pouvait plus à lui seul subvenir à ses rejetons. Oh, un hibou moyen-duc! C'est un oiseau nocturne chassant principalement la nuit. Il est rarement actif pendant le jour, excepté en migration. Il chasse la nuit dans les champs et les marais ouverts. Il capture sa proie en utilisant son excellente vue et son ouïe. La plupart des proies sont capturées sur le sol ou dans la végétation. Après avoir capturé une proie, le hibou moyen-duc la tue en tapant l'arrière de la tête et ensuite il l'avale entière. Dans le nichoir, la vie continue au fil des jours. Cela fait 17 jours que la mésange nourrit ses derniers 3 petits. Ils sont prêts à quitter le nid. Elle n'arrête toujours pas le va-et-vient en apportant toujours des chenilles. Elles sont toujours dans le nichoir, elles sont peut-être gênées par la pluie. La mésange leur apporte encore à manger, sinon elles mourraient de faim. Maintenant, elles ressemblent à leurs parents. Les petites se serrent l'une contre l'autre. Les dernières mésanges grandissent bien, tandis qu'évoluent les carpe-coï et poissons rouges dans le bassin. Il fait beau. À l'intérieur du nichoir, branle-bas de combat, les deux dernières s'exercent à voler.
Les voilà enfin sorties du nichoir. Elles ont 2 jours de retard sur la moyenne. Au début, pour le moins, elles sont très maladroites. Et il faut qu'elles restent silencieuses et se cachent dans le feuillage afin de ne pas attirer les prédateurs. Pendant 1 semaine ou 2, les petites vivent ensemble. Les parents les alimentent encore. De jour en jour, elles deviendront de plus en plus adroites en coordonnant leurs mouvements. Puis elles commenceront progressivement à s'intéresser à leur première proie. La voici en compagnie d'un incenteur mouché. Un beau jour, elles voleront si bien et captureront tant de proies que les parents ne les nourriront plus. La famille pourra se disloquer. La grande aventure commencera vraiment pour chacun des jeunes. Dès l'âge de 6 à 8 semaines, les petites arboreront le plumage propre aux adultes. Chaque année, en moyenne, un oiseau survit de chaque couple d'adultes. Aussi, sur une couvée de 9 œufs comme celle-ci, il suffirait qu'un seul survive pour remplacer un de ses parents. Petit rappel, la mésange bleue appartient aux espèces protégées. L'hiver est dur pour les passereaux. Combien de ces petits oiseaux nés à la belle saison ne voient pas le printemps suivant? La mésange bleue paie pour sa part au froid une lourde contribution que les mangeoires et les morceaux de graisse disposés à son intention parviennent difficilement à compenser. Certains voient dans cette décimation une loi injuste et cruelle, d'autres une sélection naturelle indispensable au maintien de l'espèce. À défaut de pouvoir efficacement modifier le cours des choses, force est de s'y résigner. Dans un environnement de moins en moins favorable à la reproduction de cette mésange, l'installation de nichoirs artificiels est l'un des meilleurs moyens de réparer partiellement les effets dévastateurs de la rigueur hivernale. L'investissement est de peu d'importance. Quelques planches sommairement assemblées y pourvoient. C'est dur. Ah, mais voilà, à la fin, c'est dur. Ouais. Oui, bah ouais. Alors, laisse, c'est par là, avec la boussole. C'est un appareil qui permet... Attends, vous bougez pas, on vous rend le nord. Je vais le passer, je vais le passer. Alors, vas-y, tu mets sur le nord. Mets la petite... Regarde. Voilà. De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Arbre creux, trou dans un édifice. Ou sous un toit. Boîte à LED. Vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante, car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre dans votre refuge. Des modèles préapposés existent, mais il est très satisfaisant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 15 sur 16 cm et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou d'envol et le fond du nichoir. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montés de façon douteuse ou présentant des fissures. Il doit imiter au mieux les conditions naturelles.